qu'est-ce qu'on fait là? Je crois que Monsieur Caméra veut qu'on parle. Parler de quoi? De ce qui nous oppose. Comment ça, ce qui nous oppose? Bah ouais, là, t'as quoi entre les mains? Juste la meilleure caméra du monde. Waouh, tu t'enflammes là. Attends, 4K jusque 75 images par seconde en Blackmagic RAW avec différents niveaux de compression. Double ISO natif, 120 images par seconde en 2,6K et toujours en Blackmagic RAW. Outils des fausses couleurs, du ProRes, de la carte CFast, mais aussi de la SD, un écran géant, une customisation sans limite, bref, une machine de guerre. C'est bon, t'as fini? Écoute, j'ai pas envie de me lancer dans une guerre de specs, donc je vais juste te dire un truc. F-Log. F-Log et point barre. Et puis, je vois pas pourquoi je te dis ça, car tu le sais très bien en plus. Comment ça, je le sais? Ben oui, toi et moi, on a un peu la même personne. Et c'est aussi le but de notre rencontre ici. Pourquoi on a ces deux caméras? Tu peux expliquer ce que tu veux, mais il y aura pas de débat. C'est la Pocket 4K et rien d'autre. Pas de débat, tu dis? Et New York, c'est quoi? Quoi, New York? Il y a deux vidéos de New York de présentes sur la chaîne. Une avec la Pocket 4K et une avec le X-T3. Tu me rappelles laquelle est la meilleure? Laquelle a été la plus facile à étalonner? Laquelle a apporté le plus de fierté? M'en fous, je réponds pas, j'ai du Blackmagic RAW. Ok, tu me rappelles ce qu'il y a sur le côté là, juste là? C'est pas un X-T3 qui est en train de nous filmer par hasard? Avec en plus notre lutte d'appliquer dessus? Parce que ce look là, hein, c'est toi et moi qui l'avons fait. Je m'en fous, je te dis que je lâcherai pas ma Pocket 4K. J'ai du 12 bits RAW en interne et en plus elle est moins chère. T'es vraiment une tête pour de toi mule. Aussi, je te signale. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois qu'une seule possibilité. Tu t'occupes de ton côté avec ton X-T3 et ton X-T4 et tu me laisses tranquille avec ma Pocket 4K. Plutôt honnête comme deal, non? Ok, on fait comme ça. Tu penses qu'on reviendra un jour sur cette discussion? Ouh, oui, je pense bien.